André, c'est très bien. Très bien. Vous avez admirablement profité de l'enseignement que vous avez reçu ici. Et vous venez de passer vos examens d'une façon exceptionnellement brillante. Je vous en félicite. Vous pouvez aller vous asseoir. Si, monsieur. Boulba, au stade. J'espère que vous allez vous montrer digne de votre frère. J'espère. Parlez-moi de Jules César. De qui? De Jules César. Je connais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'en 7 ans, vous avez été incapable d'apprendre le rudiment? Que vous ne savez ni lire ni écrire? Eh bien, et toi, vieux crétin, sais-tu monter à cheval? Quoi? Hé, les surveillants! Donnez-lui les verges en guise d'adieu! Asseyez-le! Vous m'avez fouetté pendant 7 ans, j'ai rien dit! Maintenant, c'est fini! Mes études sont terminées! Silence! Allez! Nos études sont terminées. Et le recteur? Dans le placard. Bon. Eh bien, nous n'avons plus qu'à mettre le feu au collège. Tu viens? Non, fais ça tout seul. Je t'assure, tu le feras aussi bien que moi. J'ai pas le temps. Quoi? Tu es le premier du collège et tu ne veux pas foutre le feu à la boîte? Ah, on doit partir demain matin avant l'eau. Plus tard, nous attend, tu le sais. Moi, je vais la revoir encore une fois. Et tu sais la trouver, ta polonaise? Bah, s'il le faut pour la retrouver, j'irai jusque dans sa chambre. Et pourquoi pas dans son lit? Te défonce! Ah ben, ça va, ça va, ça va. Elle-même, et elle sera à moi. Bon. Bichille. Et comment comptes-tu arriver jusqu'à elle ce soir? Ça. Criez pas. André? Vous? Moi? Et comment avez-vous osé? Je sais pas. Mais vous êtes fou? Oui. Oh. Mon Dieu, vous m'avez fait peur. Soyez pas fâchée, Marina. Je ne pouvais plus attendre. Il fallait que je vous voie, que je vous parle. Voilà 3 jours et 3 nuits que je rôde autour de cette maison. Oh, André. Et chaque fois que je levais les yeux vers la fenêtre, c'était pour voir cette horrible femme qui a l'air d'un hussard. La gouvernante. Il me restait plus que le toit. Et alors ça? On ne saura jamais le nombre de cheminées qu'il peut y avoir sur un toit. Mais si vous vous étiez trompé de cheminée? Ah, je savais que dans la vôtre, il y aurait de la musique. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, mon hussard! Tenez, mettez-vous là! Non, par ici, par ici! Entrez! Eh bien, Marina, nous ne dormons pas. Nous faisons de la musique en pleine nuit. Nous oublions que nous sommes une jeune fille convenable. Je n'ai pas sommeil. Une jeune fille convenable doit pouvoir dormir sans sommeil. Zélima, aide ta maîtresse à se coucher. Et souffle les bougies. Ça devrait être fait depuis longtemps. Bien, mademoiselle. Bonne nuit. Bonne nuit. Et rappelons-nous, une jeune fille convenable ne rêve pas. Non, laisse-moi, Zélima, je vais me coucher toute seule. Non, 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 mademoiselle, je ne tiens pas à me faire gronder par cette chipie. Tu peux
t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. Mais il faut que j'éteigne les lumières. Non, n'éteins pas tout. Vous ne pourriez plus rêver. Ce n'est peut-être pas convenable de rêver. Mais je suis bon. Il vient toujours dans vos rêves. Qui ça? Votre amoureux. Alors tais-toi, va-t'en maintenant. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. André. Il ne reviendra pas, au moins. Qui ça? Le hussard. Non. Venez ici qu'on vous débarbouille. Vous êtes jolie. Si on vous trouvait ici... Vous m'en voulez d'être venue? Je ne vous le pardonnerai jamais. Marina, c'est la première fois que je peux vous parler tranquillement. J'ai tant de choses à vous dire. Dites. Je t'aime. C'est tout? Oui. Et toi? Il fallait que je vienne ce soir. Je suis si malheureux. Je dois quitter Kiev demain. Moi aussi, je dois partir. Je vais rejoindre mon père dans son château. Mais à l'automne, je reviendrai. Je serai là. Je t'attendrai. Tu seras là, André. Et nous serons l'un à l'autre. Pour toujours. À quoi penses-tu? Je pense que je ne sais rien de toi. Pas même ton nom. Oh mon Dieu! N'ayez pas peur! Je voulais seulement vous dire, quand vous partirez tout à l'heure, ne passez pas par la cheminée. Ce n'est pas très commode. Je vous mènerai à la petite porte. Merci, Zélima. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Je ne veux pas te quitter déjà. Demain, je ne te verrai plus. Demain, je serai seul, tu comprends? Seul parmi des milliers de cosaques. Seul avec une Marina qui ne sera déjà plus qu'un rêve. Je suis si bien dans tes bras. André. Nous ne serons peut-être jamais plus heureux que maintenant. Deux polonais pour mon petit déjeuner. Est-ce que tu as à rire comme un veau, toi? Le Taras qui joue à la poupée. Crache tes sornettes avec tes derniers chicots, toi, vieux hibou. Tu penses pas que tous les matins, je vais te décapiter pour me faire la main, non? De mon temps. De ton temps, que ton temps. Les cosaques mettent au monde une lance à la main, une selle au cul, t'as entendu? De mon temps, les cosaques faisaient la guerre. C'est à moi que tu dis ça? Le guerrier de basse-cour. Qu'est-ce que tu fais à la ferme? Hey, qu'est-ce que tu attends ici? Hey! Attends mes fils. Un bon père ne part pas pour la guerre sans ses fils. Et ils arrivent tout à l'heure et je te jure que nous ne moisirons pas ici. Hein? Alors, hein? T'as peur de Taras Bulba, toi? Oui, t'as pas peur de Taras Bulba, toi, hein? Quand on s'est acquis sa mort, il crée Dieu, Inutile de le raccommoder, petit père. Demain, j'en aurai de vrai. Ah!
vodka dès le matin? Ah, oh, quel honneur! Taras, il faut bien se préparer à recevoir dignement nos hôtes. Les fils de mon chef arrivent. Les fils. Ça, des cosaques? Mais vous êtes déguisés en fillettes. Et ils savent tout. Ils ont tout appris. Des savants. Bonjour, mademoiselle le savant. Moi? Tu sais, je suis pas très savant. Tu sais lire, écrire et compter, hein? Non. Non? Je te le jure. Le premier, père, tu comprends, le premier de tous. Le meilleur. Le premier. Une fillette, quoi. Alors, c'est vous, mademoiselle le savant? Assez, père. Assez taquiné, sinon... Sinon, quoi? Ben, on te rossera. Tu rosserais ton père? Ouais, s'il le faut. Fils de chien! Tu rosserais ton père? Ouais? Ah, t'es trois crochets! Eh ben, revoir ça! Allez! Vas-y, André! Vas-y! T'es un bon gars. Tu feras tout de même un bon cossack. Et puis pour ce que tu as appris, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est fait, hein? Ah, mais, tu veux dire avec le temps, hein? Bon, coach! On va faire la fête et pas pourrir, hein? Tu vas l'inviter tous les voisins. Tu ne leur diras qu'une chose. Venez chez Taras Bulba, ses fils sont arrivés! Demi-douzaine d'orphelins. Mais vous, vous avez moins besoin de fusils que de nourrice. À quelle heure vous couche-t-on? Poufard! Un mot de plus et je te casse la figure. Et moi, je te débolis le reste. Vous plaisantez, voyons. C'était pour rire. Gentil, gentil. Hein, comme ils se saoulent bien. Et c'est qu'ils n'ont pas peur de Taras? Mais ils n'ont peur de rien, ceux-là! Sois tranquille, père.
Nous saurons nous défendre avant qu'on nous attaque. On va bientôt vous emmener au camp. Sur les lieux, vous allez apprendre le métier de cosaque. Et s'il y a la guerre, on va être sage, hein, parce que les femmes, la vodka. Et sinon, mais pourquoi aller au camp maintenant, Taras? Peut pas y avoir de guerre. Nous sommes bien avec tous nos voisins. La vie n'est pas en guerre quand on a que des amis. On peut pas tuer ses amis pour se faire la main. Il y a Taras qui peut nous tirer de là. Si je reste pas un jour de plus ici, moi. Demain, je pars au camp avec les gosses et ceux qui veulent me suivre. Ici, mais on crève sans s'en apercevoir. Un pion, un diable à maison. Les casseroles et toutes les maisons. Dis-moi, est-ce que tu es complètement sous ou en état de me comprendre, hein? Plus je suis sous, plus je te comprends. Tu vas aller du côté du château des Polonais et tu vas voir ce qui se passe. Tu me feras un rapport. Sérieux, hein? Sérieux, Taras. Ouais. Très sérieux. Parce que tu sais, on peut mettre Taras en colère, mais faut que ça en vaille la peine, hein? Pas étonné. Allez les cosaques, assez digéré, on va danser. Tu me tues? Ah, ben on dirait! Sais-tu que tu es plus belle que jamais? Tu t'es bien amusée à qui? T'as pensé à moi de temps en temps? Pourquoi? Oh, ben ça manque pas de garçons ici! Galka, prends garde, hein? Oh, tu me fais pas peur! Ah, ça fait plaisir de te retrouver, hein? Ah, t'as pas changé, Galka! Ah, merci pour tes lettres! Ben, tu sais pas lire! Ben, et toi, tu sais écrire! Quoi? Ils ont bien essayé de m'apprendre, mais... Tu me crois, oui? Oh, je te crois sans peine. Je t'aime, Galka. Et moi aussi. Imbécile! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et toi?
J'ai bien dormi. Bien. Et toi? Oh! Allez! Ah, c'est Bayel, c'est Milaris! À bientôt, Galka. Je te suivrai. T'es folle? Une femme chez nous? C'est à moi. Je te quitte plus. Et ta race? Ton père? Ah, je m'en charge. Allez, file! Je te retrouverai dans la tête! C'est la dernière fois, hein? Fini les bêtises! Fini, chef! Compris? Compris! Allez! À la balle! Tête sur les épaules, figure de goin, canaille de mon cœur. Hein? Tu les reconnais pas? Ah, je t'appelle André. T'es pas de beau gosse, hein? Non! Ah. André, viens embrasser ces vieilles mules. C'est ton père nourricier, ça. André! Oh. Oh. Et il m'a pissé dans les bottes. Mon vieux Sasha. Je te promets de pas recommencer. Arrive de Kef où ça s'est fait farcir la tête. Ici, on s'occupe pas de leurs fesses.
Trois mois de cheval et adieu l'arithmétique. Taras. Et celle-là? Celui-là. C'est Galka, un ami de mes fils. Et un cosaque fameux. Tu plaisantes? C'est une femelle. Femelle? Bah et après? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous les hommes, hein? La moustache? Pas grand-chose. Oh, pas grand-chose. Tu te racontes maintenant que c'est un vrai cosaque, hein? Allez, les autres! Aux affaires sérieuses! Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au camp? C'est la misère, les chevaux sont gros comme des porcs, ils ne galopent jamais. Je ne sais plus quoi faire. On s'ennuie. Oui, on s'ennuie. Cette paix peut durer encore 10 ans. Taxi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un conseil ou la chambre foire? Que ceux qui ont une plainte sérieuse à formuler parlent. Moi, je me plains du sultan des Tatars. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le sultan était salaud. C'est entendu. Prouve-le. Oh, je le prouverai. Il a pris... Il a pris quoi? Non, il a pris mes cosaques. Dans les cosaques là-bas? Je ne sais pas. Silence! Il n'y a pas de quoi rire! Écrivez. Voyons, Taras. Personne ne sait écrire ici. Nous sommes des cosaques. Il y a heureusement encore des cosaques qui savent écrire. André! Sa Majesté, le Sultan des Tartares, muraille raide. Mais, fils de chien! Oui. Mais non, on n'écrit pas ça au commencement d'une lettre, voyons! Dans notre traité de paix, espèce de sale porc, tu nous avais promis ton amitié. Et tu opprimes les cosaques! Et nous sommes renseignés! Je t'avertis! Fils de chien. Ah non, 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 mais là, parce que là, on peut le mettre. Que si tu continues à opprimer les cosaques, nous irons chez toi et nous t'en parlerons. Et tu pourras rester sur le pal pour ton plaisir personnel. Fils de chien. Ah non, Taras. On peut le mettre deux fois. De chien. Avec nos respects. Et nos salutations. Distingué. Oh, ça c'est joli. Et tu peux embrasser nos fesses. Oh non. Mais non, voyons. Vous ne comprenez rien à la diplomatie, hein, non. C'est une affaire délicate, ça. Alors. J'ai eu une crampe depuis ce matin. Ha ha ha!
André, signe pour le père. Qui vient d'avoir 18 ans. À ton bonheur, Marina. À tes amours. Ce ne sont pas les prétendants qui lui manquent. Mais elle a bien le temps de penser à ça. Allons, à Marina. Pourquoi t'es-tu enfui comme ça? J'avais trop chaud. Comme tu es devenue sauvage. Moi? Je suis pas aveugle, tu sais. Mais tout à l'heure, quand le gros Mirskif a parlé de tes amours, t'es devenue plus rouge qu'un piment. Tu es folle? Je suis folle, mais toi, t'es amoureuse. C'est à Kiev que tu l'as connu. Oui. Comment es-tu? Il est très beau. Il s'appelle André. Je sais qu'il m'attend. Et je compte les jours. Ils sont longs, les jours. Ils n'en finissent plus. Zamnitsky, tu sais quand les cosaques commencent à s'agiter? Ah, vraiment? Tu les as durement traités ces temps derniers. Mais si jamais ils se soulevaient contre nous? Ils savent même plus monter à cheval, tes cosaques. Allez, allez, ne plaisante pas. Tu sais très bien de quoi ces gens-là sont capables. On dit même... Qu'est-ce qu'on dit encore? Que Taras Bulba est revenu à son camp. Le vieux Taras? Il est encore vivant? Horreur! Taras, horreur! Un gouverneur polonais empêche les cosaques de boire. Quoi? Il a interdit à 20 lieues à la ronde de servir de la vodka aux cosaques. Tu meurs! Taras, je le jure. Dimanche, il y avait un mariage chez Ivan Popov. Il y avait 200 invités. Cette fois, fils de chameau, tu mens. C'est sérieux. Ils sont tous malades. Et quel est le nom de ce gouverneur? Le prince Amnisky. Ceux qui ont désobéi ont été bâtonnés. Trois sont morts sous les coups. Tu entends, Taras? Trois cosaques morts. Silence! Yassi! Cosaques, on ne nous craint plus. On se moque de nous. Mais vous ne pouvez pas s'en finir! Sommes-nous Taras? On a oublié Taras Boulba! Les Tartares nous oppriment! Le prince Zamnitsky nous insulte! Commençons par le prince Zamnitsky. Oui. Les Tatars attendront. Il a raison. Je décrète l'état de guerre. Hey, au prince Zamnitsky. Cosaques, filinerie. Alors,
Philippines. À vos commandements. En avant. C'est maintenant que tu viens me dire ça? J'ai crevé deux chevaux en route pour arriver plus vite. Messieurs, nous n'avons pas de temps à perdre. Avant demain, Taras Bulba sera sous nos murs. Envoie immédiatement tes meilleurs cavaliers à Varsovie. Réclamez des renforts. Bien. Je ne veux pas que ma fille reste ici. Elle partira tout à l'heure. Mais ce n'est plus possible. Tu dois la garder avec toi. Les routes ne sont pas sûres. Mais toutes les communications ont été interrompues. Nos convois de ravitaillement ont été arrêtés ce matin. Et les vivres? Si nous sommes assiégés, nous ne pourrons jamais tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Partez pour Varsovie, galopez jour et nuit, crevez des chevaux, mais faites-nous envoyer du secours, vite! Les cossacks! Prenez aux armes! Allez-vous-en immédiatement. Sinon, tu pourrais bien te balancer au bout d'une corde, Taras Bulba. Bon, pas moyen de s'entendre même gentiment. Vous ne voulez pas vous battre? On va cerner le château. Allez, cossack, crève de soif. On va vous faire crever de faim. Colonel, faites charger les pièces. Si vous ne partez pas immédiatement, je donne l'ordre de tirer. Que abruti. Tu as vu qui était à côté de Taras Bulba? Oui. André. T'as les bandits! Ils nous encerclent! Thank you.
sang, 10 jours. T'appelles ça un siège, toi? Depuis qu'on a quitté le camp, c'est la même chose. On croit qu'on va se battre, je t'en fiche. On va danser. Et pendant ces 10 jours au château, ça bouffe des cailloux. À 7 heures, on doit voir leurs dents au travers de leurs joues. Enfin, c'est peut-être comme ça qu'on fait la guerre, maintenant. Moi, je suis vieux jeu. Vieux nourrice sèche. Qu'est-ce que tu connais, toi? Eh ben, tu danses pas, toi, hein? T'as fait une drôle de tête. Qu'est-ce qu'il y a, Greta, la colline? Allez, fous-lui la paix, Taras. Il est amoureux. Amoureux, c'est magnifique, hein? Ben quoi, t'as jamais été amoureux, toi, non? Ton âge. J'aimais trop les femmes, moi, pour être amoureux. Mais ben, tu t'es marié, quand même. C'est pas pour avoir une femme. C'est pour avoir des fils. Alors, t'es amoureux de qui? Une fille de notre village? Non. Elle n'est pas de notre village. Oh, je connais. Pourquoi est-ce que tu me questionnes? Je veux savoir si elle est digne de toi. Oh, ça! Mais quelle qu'elle soit, tu la mérites! Pourquoi? Parce que tu es mon fils. C'est la même chose toutes les nuits depuis ce siège. On ne distribue plus de vivres. Tout ce qui reste, on le donne aux soldats. Bientôt, cette famille n'aura tué plus de gens qu'une bataille. Coucher, mademoiselle. Vous êtes si fatiguée. Oh non, je n'ai pas sommeil. Vous n'avez pas dormi la nuit dernière? Oh, si. Pas très longtemps, tu sais. J'ai même rêvé. Rêvé? Oui. Figure-toi, notre pont-levis abaissait et les cosaques envahissaient le château. Ça devait être affreux. C'était merveilleux. Et ils riaient, ils riaient. Il y avait de la musique. C'était comme une fête. Et André venait vers moi, tout joyeux. Et puis, ces cloches m'ont réveillée. Mademoiselle, vous savez qu'il existe un souterrain qui conduit aux Roches Noires. Oui. Là où les cosaques ont établi leur camp. Si je prenais ce chemin, j'arriverais chez eux. Pourquoi faire? Il y a toujours du brouillard sur la plaine. Je me glisserai jusqu'au camp et je le verrai. André? Je te le défends. Il aurait pitié de nous. Lui, il vous aime tant. Non. Il ne peut plus m'aimer maintenant. Quel temps. C'est un brouillard à pas voir le bout de son nez. Et nos sentinelles? Ben, elles ronflent, pardi. Oh, mais toi, pourquoi est-ce que tu dors pas? Quand tu étais petit et que tu ne dormais pas, je ne dormais pas non plus. Tu vois, c'est une vieille habitude. Oui. C'est loin, tout ça. Vois ça.
Oh, merci, Sasuke. Attention, ne te brûle pas. Je vais finir ta ronde. Pourquoi? Ah ben, réchauffe-toi un peu, alors. Je vais réveiller 3 ou 4 sentinelles et je reviens. C'est bon, Sasuke. Ne crie pas! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai suivi tout à l'heure, j'attendais que tu sois seule. Et Marina, où est-elle? Au château. Au château? Mais elle sait que je suis là? Elle t'a vu le premier jour, nous étions sur les remparts. Et depuis... Depuis? Elle pleure. Elle ne peut pas croire. Mais c'est elle qui t'a envoyée ici? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Nous n'avons plus rien. Depuis ce siège, j'ai commencé, c'est la famille. Sentinelle, tu veilles? Je vais aller au château avec toi. Au château, toi? Oui. Je veux revoir Marina. Je vais te donner des vivres, mais je les porterai avec toi. Par où es-tu passé? Tu ne me trahiras pas. Non. Viens. Drôle de sentinelle. André! Que nous étions si près l'un de l'autre, tu sais. Oh, mais maintenant que tu es là, je suis si contente. Il ne faut pas qu'on me voie ici. Viens. Laisse-moi te regarder d'abord. Je suis si heureuse. Quand Zélima m'a dit, j'étais comme un fou. Je te voilà dans mes bras.
Je ne peux pas encore le croire. Tu ne m'as pas oublié. Comment aurais-je pu t'oublier? Depuis Kiev, tu ne m'as pas quitté, pas un instant. Tu m'accompagnais partout. Mon André. Je t'aime. Et pourtant, tu sais qui je suis maintenant. Tu sais mon nom. Mais que m'importe ton nom? Je suis à toi, André. Tu le sais bien. C'est compris. Les sacs sont à l'entrée du souterrain. Tu vas me regarder comme une vache, toi, hein? Qui a volé les sacs? Je ne sais pas, chef. C'est ma faute, j'ai manqué de vigilance. Vigilance? Et tous dormis comme des pains! Des sacs entiers de pain et de lard, envolés comme ça par la volonté du Saint-Esprit, comme se foutent de nous là-haut. Maintenant, ils bouffent à leur faim. Qui était de garde? Au vivre. Moi, chef. Tu étais sous encore, hein? C'est vrai, oui ou non? C'est vrai, Taras, c'est encore vrai. Qu'est-ce que tu veux que je foute de toi? Que je te pende? Que je te ficelle à un cheval? Que je te fasse péter le ventre sous une charrette? Choisis! Choisis pour moi, Taras. Taras! Sacha a disparu! Qu'est-ce que tu dis? On a cherché partout. On a dû l'enlever cette nuit. L'enlever. L'enlever. Qu'est-ce que c'est que ce camp d'ivrogne? On peut tout y voler, même des cossacks! Père! Votre aîné est plus au camp. On ne l'a pas vu ce matin. On vient de retrouver son cheval tout scellé et abandonné. Voilà son pistolet qu'on a ramassé. Lui aussi a dormi pendant le service. Emmené. Pendant ce temps-là, nous étions en train de ronfler. Compliment, Cossack. Bon soldat. Foutez le camp, hein? Fils de Taras Bulba. Ils vont pas l'épargner. Déjà?
André! Oh, mon petit! Oh! Oh, ça alors! Et où as-tu trouvé ça? Oh, sacré André! Dis pour moi, tu en as un aussi, hein? Et les autres là, des hommes à nous, hein? Allez, allons-nous-en vite. Va-t'en, Sashka. Tu es libre. Comment? Et toi? Moi, je reste. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, non, je rêve, hein? Ou alors je suis sous comme une bourrique. Tu ne rêves pas et tu n'es pas sous. Trahir? Toi? Mais pourquoi? Sashka, si tu pouvais comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Que tu es un saligo? Ah! Et c'est pour une femme que tu as fait ça? Oui. Attends, Sashka, on te conduira au grand-pas. Non, je ne partirai qu'avec toi! Non, pour l'amour de Dieu! Dès que les Cosaques lèvent le siège, les régiments de Varsovie arrivent. Et le vieux Taras, tu as pensé à lui? Qu'est-ce que je vais lui dire à ton père? Viens, André, mon petit. Viens, ne reste pas avec eux, viens. Je ne te suivrai pas. Tu le sais bien. Sashka! Tu es pâle. D'où viens-tu? Tu le sais? Quoi, c'est ce cosaque prisonnier qui... Oui. Ton père l'avait gracié. Mais pourquoi l'as-tu libéré toi-même? Tu le connaissais bien? Oui. Vous avez parlé? Ah, Marina, je t'en supplie, ne m'interroge plus. Pas chez eux. Jamais je ne les reverrai. Jamais. André. Taras, il est revenu. Ah, André, Sashka. 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 Ils l'ont tué? Ils l'ont pendu? Vivant? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu l'as abandonné tout seul là-bas? Alors mon petit, tu t'en fous pourvu que tu sauves ta sale peau? Vieille poule mouillée. Espèce de vieux capon! Taras! Mais il se passera de toi, il reviendra tout seul. Il n'a besoin de personne, il n'a peur de rien. C'est quelqu'un, mon fils! Tu ne le reverras jamais. Pourquoi? S'il est vivant. Il est vivant pour d'autres que nous, Taras. Pour toi. André a passé aux Polonais. Une fille de là-bas nous l'a pris. Oui. Qui t'a dit ça? Lui. Tu ne lui feras pas de mal.
pas de mal. Si tu avais un fils et qu'il ait fait ça, demain à l'aube, tout le monde prêt. On attaque. Derrière les collines, le deuxième régiment derrière les meules de paille. Munitions pour les repousser. Ils arrivent jusqu'à nos murs, nous sommes perdus. Notre seule chance, c'est de tenter une sortie. Alertez vos hommes. Est prêt. Je ne veux pas que tu partes. Nous sommes les derniers. Ah non, prendra le commandement à ta place. Ils sont tous là-bas. Mais c'est une folie. Tu es plus menacée si les cosaques te voient. Je sais. André, j'ai peur. Tu comprends, j'ai peur. Non, sois courageuse, Marina. Les Polonais ont déjà reculé sur plusieurs points. Les cosaques se battent comme ils ne se sont jamais battus. Si le château tombe entre leurs mains, tu es perdue. Je ne peux rien redouter si tu es à côté de moi. Pas même la mort. Marina. La vengeance des miens sera terrible. Mais tu ne peux pas te battre contre eux. Tu ne peux pas. C'est pour toi que je vais me battre. Pour toi. André! Thank you.
C'est bien lui, hein? C'est lui, Taras. En sang, Cossack! C'est par le détachement et attire-le vers les pierres noires. Bien, Taras. Entre les autres, les mains! Bien, chef. Découvre-toi. Fais ta prière.
André. André. Taras, tu sais, tu as dormi deux semaines. Oui, Ostap. Tu es? Ostap n'est pas mort. Il est prisonnier. Prisonnier. Donnez-moi mes voitures, viens, allez. Ils sont dans le château maintenant. Pourvu que tout se passe bien. Alors c'est compris, hein, au premier coup de feu, en avant. Compris. Le cosaque Ostap Boulba, fils de Taras Bulba, ataman des cosaques et bandit de grand chemin, a comparu aujourd'hui devant notre tribunal extraordinaire pour y répondre des nombreux crimes et forfaits dont il s'est rendu coupable. Ostap Boulba, accusé en outre du meurtre de son frère, qui était passé dans nos rangs, est condamné à mort. Qui est mort. Thank you.
sais rien. Père, tu souffres? Mon compte est réglé. Une heure de plus ou de moins. Tu ne veux rien? Oh, si. Ma pipe. Oh, stop. Tu es leur chef maintenant. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, père. Nous avons perdu combien de cosaques? Une soixantaine. Ils arrivent. Avec mon régiment. Au galop. Le ciel. Taras, tu vas retrouver André. Rends-lui sa place parmi tes cosaques. Vous avez mal au ventre? À cheval! À cheval, toi! Est-ce une femelle qui crève ou Taras Boulba?